Vous écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Église du Seigneur, Shalom. Messianic International Church, Shalom. Les ambassadeurs de Christ, Shalom. Les amoureux de la parole, Shalom. Nous avons une question très capitale. Comment savoir que c'est Dieu qui me parle? Et là, c'est une question qui ouvre plusieurs brèches. Et nous allons ouvrir quelques exemples pour mieux répondre à cette très belle question. Comment savoir que c'est Dieu qui me parle? Premièrement, pour savoir que c'est Dieu qui me parle, nous devons d'abord tenir compte du niveau de notre sensibilité. Et c'est quoi une sensibilité? C'est lorsque notre système récepteur est tellement aiguisé que nous entendons le message, nous captons le message. Et celui qui a un système récepteur bien aiguisé, chaque fois que Dieu parle, il y a des signaux que nous pouvons entendre. Chacun de nous a des signaux qu'il entend ou qu'il sent que maintenant là, je suis connecté vers le divin et j'écoute la voix du Seigneur. Comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous pouvons entendre la voix du Seigneur par une voix audible, par une inspiration, par un songe, par une vision, par la parole de connaissance. Et le niveau de notre sensibilité, c'est celui-là qui nous connecte au divin et nous avons des signaux que nous avons toujours sentis. Vous savez, quand Marie et Élisabeth se sont rencontrées, l'enfant qui était dans l'autre a tressailli, voyez-vous, pour dire que Jean-Baptiste a rencontré le Messie, quoiqu'ils étaient dans les seins maternels, mais il a senti une présence et ils ont communiqué les ondes. Et Jean-Baptiste a tressailli. C'est le même principe. Comme la profondeur appelle la profondeur, le flot appelle le flot. Ainsi, si nous avons un système bien structuré, et quand je parle du système, c'est de la même façon sur le plan fréquence, dans la radio. Quand il y a une bonne fréquence, franchement, vous allez vous rendre compte que quand il y a une fréquence qui ressemble à la vôtre, vous entrez en liaison et le message est capté. C'est de même avec Dieu. Comment savoir que c'est Dieu qui me parle? Si j'ai la même fréquence que Dieu et qu'un message vient, nous nous retrouvons dans les réseaux avec le Seigneur et je sais que ça, c'est le son qui fait partie de ma structure. Ça, c'est un son qui est passé dans notre fréquence. Et facilement, on sent qu'on est connecté, on est branché. La bonne manière de recevoir un message de Dieu, il faudra d'abord que celui qui reçoit le message soit au préalable connecté. Et quand on est connecté, c'est quand on est parfaitement en ordre avec Dieu. C'est ça la connexion. Et cette connexion crée en nous une sensibilité aiguisée. Et quand Dieu parle, ce qu'on sent, on ne l'a jamais senti ailleurs. Quand un homme parle ou quand quelque autre source parle, quand c'est Dieu, c'est différent parce que ce que Dieu nous communique, nous ne les recevons que de Dieu. Alors, comme ça ne vient que de Dieu, on sera habitué à sentir le langage de Dieu.
Comment savoir que c'est Dieu qui me parle? Église du Seigneur et monde entier, laissez-moi vous dire que la parole de Dieu est accompagnée d'une vertu. Et cette vertu-là communique l'onction. Une onction qu'on ne sent que de Dieu. Voilà pourquoi on dit vers le soir, la parole de Dieu se promenait dans les jardins et Adam a fui. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, comme on dit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Or, Dieu étant un Dieu tout-puissant, un Dieu omnipotent, sa parole est accompagnée d'une vertu. Et quand Dieu te parle, cette vertu-là de la parole de Dieu, d'abord, ça saisit l'instrument à qui Dieu veut adresser le message. Quand ça nous saisit, parce que sa parole est accompagnée d'une onction, cette onction-là nous saisit pour nous donner automatiquement un aiguisement de la sensibilité auditive afin que nous puissions d'abord entendre et deuxièmement que nous puissions discerner. C'est comme ça que Dieu parle. Dieu peut vous parler de quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais comme sa parole est accompagnée d'une onction. Cette onction-là nous ouvre les yeux, nous ouvre les oreilles et nous avons un discernement de connaître même les noms de quelqu'un. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que sa parole est accompagnée d'une vertu. Quand Dieu parle, nécessairement, on doit faire la différence. Ça, c'est la première partie de la réponse. Voici la deuxième partie de la réponse. Comment se rassurer que celui qui me parle, c'est Dieu? Il faut que nous soyons d'abord sûrs de notre système de compatibilité. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, comme la Bible dit, approchez-vous au trône de Dieu avec assurance. Ainsi, quand quelqu'un parle avec Dieu, au préalable, la personne doit être préparée comme un vase d'honneur pour ne pas brouiller ou faire rater la fréquence. Dieu parle souvent, à un grand pourcentage élevé, aux personnes qui, au préalable, se sont spirituellement préparées à recevoir le message de Dieu. Franchement, alors comment savoir que c'est Dieu qui me parle? Quand moi-même, l'instrument qui reçoit le message de Dieu, je suis préparé spirituellement, et là, je deviens compatible à écouter la parole de Dieu, compatible à entrer dans les réseaux avec notre Seigneur. Et cette compatibilité nous ouvre l'intelligence, les sensibilités spirituelles possibles. Et là, nous allons entendre un langage qui ne lui est que propre. Dieu a un langage qui ne ressemble qu'à lui-même. Et personne ne peut parler comme le Seigneur. C'est pourquoi même Jésus, quand il parlait sur la terre, les gens ont dit, nul n'a parlé comme cet homme. Pourquoi ils ont dit ça? Pour faire voir combien Dieu a son vocabulaire à lui. Vous savez, même dans la famille, hein, on peut avoir un père, on peut avoir un grand-père, même un grand-père s'il est vieux, mais il parle, les autres ne peuvent pas comprendre. On peut avoir un enfant d'une année qui apprend à parler, un enfant de 8 mois qui apprend à parler. Voyez-vous, si on est déjà habitué à lui, je vous assure, même si le langage est difficile, mais le fait de s'habituer, on comprend et on s'habitue à un langage quelconque. C'est de même avec Dieu. Quand on est habitué à l'écouter, quand on est habitué à entrer dans la phase spirituel, c'est-à-dire on craint Dieu à un niveau que cette crainte de l'Éternel crée à nous des sensibilités. On commence à comprendre le langage de Dieu, c'est toujours différent. Et cette crainte-là, cette disponibilité-là, cette préparation-là nous rassure que effectivement nous sommes prêts pour écouter la parole du Seigneur. «
Souvent, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours conseillé pour dire, avant de dormir, pour que Dieu te parle, pour que Dieu te révèle, comme nous prions souvent, « Oh Dieu, parle-moi » et autres, ce n'est pas mal. Dieu parle sans problème, sans condition. Mais le problème, c'est que c'est comme un poste téléviseur. Sur un poste téléviseur, il y a plusieurs chaînes. Nous pouvons avoir Euronews, nous pouvons avoir TV5, nous pouvons avoir Discovery Science, nous pouvons avoir Planète. Il y a plusieurs chaînes, des milliers de chaînes, mais un seul poste téléviseur. Ça dépend de la fréquence où vous êtes branché. Avant de dormir, c'est de même. Imaginez-vous quelqu'un avant de dormir, il pense à son mariage, il pense à l'échec de la journée, il pense à quelqu'un qui lui a offensé, il pense à quelqu'un qui lui a fait un coup de foudre. Imaginez-vous, quand on va dormir, automatiquement on sera connecté à une autre source qui n'est pas Dieu. Voilà pourquoi certaines personnes, quand elles dorment, et on a des succubes, les incubes, mari et femme de nuit, tout dépend de la source à laquelle on a été longuement connecté pendant la journée. C'est de même avec Dieu. Donc, la fréquence la nuit dans les songes, ça dépend de l'état où on a été le long de la journée. Et cela crée en nous des sensibilités et ça nous connecte, franchement. Et quand on va dormir, on doit dormir connecté. Imaginons-nous, avant de dormir, quelqu'un qui est connecté devant des séries, une série érotique, une série de guerre, une série qui divague notre attention vis-à-vis du Seigneur. Quand on dort, je vous assure, nous ne sommes pas préparés pour recevoir un message pur parce que notre poste récepteur est déjà connecté à autre chose, peut-être à l'amour, au sexe, à quelque chose de la terre ou à un rebobinage du passé. Je vous assure, nous ne serons pas bien disponibles pour recevoir un message de la part du Seigneur. Voilà les deux aspects majeurs par lesquels nous pouvons nous rassurer que Dieu nous parle. Je me résume. Comment savoir que Dieu me parle? En résumé, nous disons ceci en comprimé. Premièrement, quand Dieu parle, sa parole est accompagnée d'une onction et on sent la différence. Le message de Dieu est très clair et ça nous a, c'est accompagné par un esprit de discernement où quand on reçoit ce message-là aiguise nos sensibilités. Deuxièmement, pour avoir un message et se rassurer que ça vient de Dieu, ça dépend de l'état où on a été avant de recevoir le message. Quand on est dans un état tellement branché, connecté au spirituel, c'est-à-dire un état de sanctification au sens du mot, et on est sûr de recevoir le message. Pourquoi? Parce que la sanctification elle-même nous dispose à recevoir le message, le vouloir ou pas. La sanctification crée en nous déjà, sans même que nous puissions nous rendre compte, ça crée en nous une disponibilité d'écouter la voix du Seigneur. Et nous devenons tellement aiguisés et nous allons facilement recevoir deux messages. Et là, on est sûr que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Je suis en train de dire que nous sommes des postes récepteurs. Dans un poste récepteur, nous, les humains, un poste récepteur d'une personne sanctifiée, c'est vraiment impossible que le diable entre dans son réseau. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous parle. Comme une biche soupire après des courants d'eau.
Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu.